السلام عليكم ورحمة الله. لعل الاستراتيجية الصهيونية تهدف إلى التأثير على الناس في جميع أنحاء العالم بوسائل وعناوين ملتوية لتبرير احتلال الأراضي الفلسطينية وأسر الفلسطينيين والتنكيل بهم وتوسيع رقعة الاحتلال وقضم الأراضي، إلى إعلان نتنياهو العدواني الأخير عن نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن إلى الكيان الإسرائيلي. جايكوب كوهين، المفكر والمؤلف المغربي الفرنسي، كيف يقرأ هذه التطورات وما يحيط بالصهيونية وحركاتها الأخطبوطية من الداخل؟ معكم زينب صفار، تابعونا. لعل جايكوب كوهين هو شخص مثير للاهتمام للغاية. هذا المغربي الفرنسي هو من أبرز المفكرين اليهود المناهضين للحركة الصهيونية في العصر الحديث، الذين يسعون إلى التفريق بين اليهودية كديانة والصهيونية كإيديولوجيا وحركة عنصرية لا إنسانية. جايكوب الماسوني السابق والصهيوني السابق هو مؤلف لعدة كتب مهمة، وهو أول شخص يكتب كتابا كاملا مخصصا لموضوع اليهود المقيمين خارج إسرائيل والمتطوعين لخدمة الموساد والمعروفين باللغة العبرية باسم السيانيم، في كتاب بعنوان ربيع السيانيم الذي لم يترجم إلى اللغة الإنجليزية. مؤخراً أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بلهجة قوية عن مخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إذا ما فاز في الانتخابات العامة، ولقد وعد أيضاً بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن المحتل وشمال البحر الميت. كما كان يأمل نتنياهو أن هذا الإعلان سيكون محفزاً للفوز بأصوات برغم أنه يمثل خرقاً للقانون الدولي. إذن يبدو أن نتنياهو قلب المنطقة كلها إلى صندوق اقتراع خاص بانتخاباته. الدكتور جايكوب كوهين، الكاتب والناشط المغربي الفرنسي، كيف يقرأ هذا الإعلان وهذا المخطط الخبيث؟ l'annonce de l'annexion de la rive du Jourdain ne signifie pas grand-chose aux yeux d'Israéliens. C'est-à-dire cette zone a déjà été nettoyée ethniquement de tout Palestinien. Cette zone ne retournera jamais à la Palestine. Il faut que le monde sache, et le monde le sait. Pourquoi? Parce que cette zone est déclarée essentielle pour la sécurité d'Israël. En termes diplomatiques, lorsqu'on parle de la sécurité d'Israël, ça veut dire, tout le monde le sait, que Israël doit rester maître des frontières d'un futur État palestinien. Donc, Israël doit rester maître de la rive du Jourdain. Et toutes les déclarations des diplomates occidentaux, même de Poutine, même de la Chine, même de l'Inde, disent que toute paix doit prendre en considération la sécurité d'Israël. Or, la sécurité d'Israël signifie le contrôle de la rive du Jourdain. Dire qu'on va l'annexer, c'est juste, comment dire, passer quelque chose qui est déjà dans les faits, qui est déjà acté. Cela ne signifie pas grand-chose. C'est-à-dire que le monde entier, s'il le fait, si Netanyahou arrive au pouvoir et s'il l'annexe, le monde entier ne dira rien. Il dira peut-être quelques paroles comme ça en l'air pour dire « nous protestons ». Mais c'est quelque chose sur laquelle on ne peut plus revenir en arrière, à moins d'un bouleversement total. Et aucun homme politique en Israël, qu'il soit de gauche, de droite ou du centre, ne renoncera jamais à la rive du Jourdain, comme il ne renoncera à Jérusalem, comme il ne renoncera au Golan. Aujourd'hui, Israël se sent diplomatiquement, militairement, économiquement, tellement fort qu'il peut clamer à la face du monde qu'il annexe une zone. Ceci dit,
il ne dit pas qu'il va annexer la Cisjordanie, parce que de toutes les façons, ça n'arrangerait pas. Mais cette zone-là est dans les fêtes israéliennes. Et s'il l'annexe, c'est juste une façon de, comment dire, de se l'approprier de manière juridique aux yeux du monde. Et personne... Qui conteste l'annexion de Jérusalem aujourd'hui? Personne. À part en parole seulement. Mais en acte, c'est quasiment acté. Et je ne crois pas que l'autorité palestinienne puisse avoir son mot à dire. But do you think, sir, in the sense that the Palestinians are going to suffice with just condemnation and raising their voices, or they're going to resort to every kind of means possible to stand in face of such kind of annexation? Okay. Le problème, c'est quoi avec l'autorité palestinienne? Depuis le début, c'est-à-dire depuis Arafat, les sionistes ont joué très, très finement, très intelligemment. Quand ils ont compris que le combat colonial de l'intifada, dans les années 86-90, les menait à la perte, à une déconsidération totale aux yeux de l'opinion publique internationale, un autre régime colonial aurait continué jusqu'au bout. Les Israéliens ont compris qu'ils ne pouvaient pas aller jusqu'au bout. Donc, au lieu de négocier avec les dirigeants locaux de l'intifada, les Barghoutis, etc., parce qu'ils savaient que les Barghoutis ne feraient aucun cadeau aux Israéliens. Vous voulez la paix? On veut un État. Ils sont allés chercher Arafat au fin fond de la Tunisie, qui croupissait dans l'ignorant, il n'était plus rien à Arafat. Et je vais vous dire quelque chose qui va faire très mal. Yitzhak Rabin a déclaré, parce que c'est l'ambassadeur d'Israël à Paris, Yehuda Lankri, qui l'a dit devant nous. Rabin a dit, on va sortir Arafat de son trou et il va faire ce qu'on lui dira de faire. Arafat a accepté toutes les exigences israéliennes. Jérusalem, on verra plus tard. Les frontières, on verra plus tard. Les colonies, on verra plus tard. Un État palestinien, on verra plus tard. Et en plus, Arafat a offert en cadeau les deux tiers de la Cisjordanie en zone C sous souveraineté totale israélienne. Donc l'habitude et les forces de sécurité palestiniennes sont formées par la CIA, les officiers, pour combattre toute dissidence et toute résistance à Israël. Donc en fait, l'autorité palestinienne, depuis le début, elle s'est mise dans un état de soumission. Bien sûr, elle fait semblant de faire des discours, de résister verbalement, etc., d'aller gagner quelques avantages diplomatiques sur la scène internationale, d'être membre d'une organisation. Mais bon, mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Le nombre des colons est passé de 150 000 à 800 000 depuis les accords d'Oslo. Les Palestiniens sont étouffés progressivement avec la complicité de l'autorité palestinienne. Je le dis encore une fois. Pourquoi? Parce que d'abord, ils sont achetés par l'argent. Ça veut dire qu'il y a des milliers de gens qui gagnent bien leur vie. Ils sont probablement menacés physiquement par le Mossad et les services de sécurité. Si vous n'obéissez pas, il vous arrivera un accident. Et troisièmement, les services de sécurité israéliens ont sûrement des dossiers sur la plupart des gens, de la plupart des dirigeants. So you're talking here, sir, about the strategic miscalculations and mistakes of the Palestinian leaders from your perspectives when it comes to the issue of the Palestine and the Palestinian cause and so on and so forth. But I would also ask you, in light of which, when we talk about the Palestinian people, let's not talk about the Palestinian leaders, because now at this point in time, I think the power of the people on the ground, what they are doing, their actions, their different means of expressing their resistance and their steadfastness and the sense of standing in face of the Israelis are doing are the people of Palestine. Can one ever imagine a peace, a truce, a kind of peaceful modus vivendi with the Zionist regime when they are doing this and that? Jamais. This could never happen. Never. So what's the solution? Okay. Le peuple palestinien, d'abord, ce qu'on oublie parfois de dire, enfin, c'est du passé. Le peuple palestinien s'est exprimé démocratiquement en 2006. Il a voté pour le Hamas.
Donc, il a exprimé sa volonté de se débarrasser de l'autorité palestinienne du Fatah. Il y avait des élections libres et démocratiques. Qui soutient aujourd'hui, qui légitime la présence de Mahmoud Abbas à la tête de l'autorité palestinienne? Israël, même si ça fait mal de le dire, c'est Israël et l'Amérique qui disent Mahmoud Abbas est votre président. Voilà. Le peuple palestinien, le malheureux peuple palestinien, il est pris entre le marteau et l'enclume. Il a deux ennemis, le peuple palestinien, le peuple qui vit en Palestine, à Ramallah, à Naplouse, etc. Il subit l'oppression des colons et de l'armée sioniste, et il subit l'oppression des services de sécurité palestiniens qui se comportent comme les agents du Shin Bet. Those security Palestinian forces are acting as the eyes of the Israelis in the spots and the areas that the Israelis cannot get to. Exactement. Dans ces conditions, unfortunately, que peut-on demander à ce malheureux peuple palestinien, ce malheureux peuple qui doit subir les barrages, les harcèlements, les destructions, les humiliations? Qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus? La stratégie sioniste avec les Palestiniens, encore une fois, enfin moi je suis d'avis. Je suis convaincu, l'idéologie sioniste ne peut pas vivre en paix. Il faut partir du principe que cette idéologie-là, cette société-là, on ne peut pas imaginer qu'un jour, ils vivent en paix. Pourquoi? Parce que la société israélienne éclaterait en guerre civile. On n'imagine pas les tensions internes qu'il y a en Israël. Les religieux, les laïcs, les séfarades, etc. C'est une société qui imploserait. Deuxièmement, s'il y avait la paix, à l'intérieur des frontières d'Israël, s'il y avait la paix, les juifs et les arabes, vous savez qu'en Israël, les arabes et les juifs ont deux systèmes scolaires séparés, depuis la maternelle jusqu'au baccalauréat. S'il y a la paix, ils vont se mélanger. Et c'est la fin du rêve sioniste. Si la plus grande terreur des sionistes, c'est que les Arabes et les Juifs se mélangent. Vous savez, en Israël, moi, il y a une chose qui m'a frappé. J'avais fait une conférence en 2004 et j'avais dit, c'est la dernière fois que j'allais en Israël, et j'avais dit, vous savez ce qui m'a frappé? C'est l'invisibilité des Arabes. Exactly. Ils sont 20 à 25%. Exactly. Israël les a rendus invisibles. Mm-hmm, mm-hmm, donc, mm-hmm. Israël est l'idéologie sioniste, une idéologie raciste, de domination. On ne peut pas imaginer le mépris que les sionistes ont pour les Arabes. Mm-hmm. Allow me to stop yes. you here, Jacob. We're going to continue further illustrating on yes. the issue of Zionism and their octopus-like practices in our part of the globe. But allow us to stop for a short break, sir. إذا فاصل قصير ونعود لا تذهب بعيدا. اليوم هنالك تقارير موثقة جيدا تشير إلى تحركات سرية وهي كناية عن تعاون دبلوماسي لأجل التوصل إلى معاهدة أو إلى نوع من تطبيع العلاقات بين بعض الأنظمة العربية والدولة الصهيونية. خلال قمة وارسو للشرق الأوسط في شباط فبراير المنصرم، تعمد مكتب نتنياهو تسريب شريط فيديو عن جلسة مغلقة بين وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والإمارات العربية والبحرين، وتكلموا فيها عن حق إسرائيل في الوجود وفي الدفاع عن نفسها، وقال أحدهم إن مواجهة إيران هي حاجة ملحة اليوم أكثر من حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. جيكوب كوهين الكاتب والناشط المغربي الفرنسي، كيف يرى هذا الأمر؟ C'est-à-dire que si Israël est devenu très fort, c'est que les Arabes sont devenus très faibles. Et il n'y a pas de mesure. Comment expliquer ça? C'est que, d'abord, il y a eu la destruction de pays comme l'Irak, la Libye. C'est un signe qu'on a envoyé aux Arabes, aux dirigeants arabes. On leur a dit, voilà, si vous voulez faire une politique nationaliste, indépendante, d'instruction, de liberté pour les femmes, d'administration du pays, etc., si vous refusez la tutelle de vous soumettre à l'Occident, voilà ce qui va vous arriver. Et vous savez, les prétextes
on peut toujours trouver un prétexte pour détruire un pays. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, on a envoyé des messages à des pays. Il y a des pays comme le Maroc et l'Algérie, par exemple, on les menace avec le séparatisme. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il y a le Mossad qui travaille dans les zones berbères, etc. Il y a l'Égypte qui est menacée d'asphyxie si elle ne collabore pas avec Israël. Mm-hmm. Donc, en fait, il y a toutes sortes d'actions qui sont menées, qui sont, par exemple, les monarchies du Golfe, on peut leur dire, écoutez, si vous ne collaborez pas avec Israël, ben on va vous envoyer Daesh. Vous voulez, vous tenez à vos trônes, vous tenez à vos privilèges, vous tenez aux richesses accumulées à New York, à Genève, à Paris. Mm-hmm. Collaborez. Sinon, on vous confisque vos biens et on vous envoie Daesh. Donc en fait, ils sont dans une position de faiblesse. Pourquoi ? Parce que la plupart des gouvernements arabes, la plupart, ou presque tous, sont des castes qui n'ont aucune légitimité. Mmh. C'est-à-dire, ce sont des groupes qui ont pris le pouvoir et qui se maintiennent au pouvoir avec des tas de privilèges. Tous les gouvernements arabes aujourd'hui, qui sont des castes, ont tout à perdre de résister. Et on a montré aux pays arabes que résister, faites attention, résister peut vous coûter cher, peut vous coûter la peau, peut vous coûter vos fortunes, vos trônes. Donc, collaborer. Et c'est ça qui a fait que les monarchies du Golfe, de toutes les façons, si on compare le... Bon, et d'abord, évidemment, Israël n'est pas seul dans cette histoire. Il y a l'Amérique derrière. Et quand on dit l'Amérique, c'est... Bon, on imagine ce que c'est déjà. Donc, toutes ces forces, l'axe américano-sioniste a fait en sorte. Et évidemment, ces monarchies arabes ont des pudeurs. Mmh. Elles peuvent pas établir des relations diplomatiques directement. Alors, on commence petit à petit, on habitue. Il y a des journalistes, par exemple, un échange de journalistes, d'hommes d'affaires, la sécurité. Mmh. Mais je pense que c'est à moins d'un bouleversement du cœur de la Palestine, je pense que c'est une tendance qui ira en s'affermissant, c'est-à-dire une soumission. Jacob, you talked about the Arab region, yes, you know, and the Gulf state and the Gulf regimes, but let's talk about Morocco today. The Holocaust Memorial Site in Morocco's Marrakech-Safi region, yes, it was built, it was bulldozed later on, yes, and demolished. Yes. Why on earth on Morocco land, in Morocco, in Marrakech in particular? How did it start? What was the message and what's the timing of building this kind of memorial site? Malheureusement, le Maroc a une histoire vieille avec le Mossad. Voilà. Depuis 1961, et l'affaire d'un navire qui a été coulé par le Mossad avec des juifs dessus, pour permettre aux juifs de partir par dizaines de milliers ou centaines de milliers, Hassan II a compris que, de toutes les façons, son intérêt, c'est de s'allier avec le Mossad, secrètement, bien sûr. Parce que, il était tourné vers l'Amérique, vers l'Occident, et il avait besoin du soutien américain. Voilà, c'était un homme de l'Occident. D'accord. Bon. Mm-hmm. Maintenant, dans les années 80, le Mossad a envoyé un homme d'affaires, enfin, un ancien banquier qui s'appelle André Azoulay, oui, qui était un dirigeant bancaire international, mondial, qui est né au Maroc, mais qui a fait toute sa carrière en France. On lui a demandé il a dû avoir des négociations pour retourner au Maroc et servir comme conseiller du roi. Et en 86, il a réussi à faire venir Shimon Peres et Yitzhak Rabin au Maroc de façon officielle. Donc c'était déjà, le Maroc était la porte de pénétration d'Israël dans le monde arabe. C'est-à-dire que le Maroc a servi de tremplin, d'exemple, pour permettre une légitimation d'Israël dans le monde arabe. Maintenant, les sionistes voulaient aller plus loin. Mm-hmm. C'est-à-dire, en 2012, ils ont créé ce qu'on appelle le projet Aladdin. C'est quoi le projet Aladdin, lancé par André Azoulay? Le projet Aladdin consiste, sure,
by the UNESCO, Aladdin project, by the UNESCO, sponsored by the UNESCO. Oui, oui. Oui. Mais la secrétaire générale de l'UNESCO est la fille d'André Azoulay. Exactly. D'accord. Exactly. Donc, voilà, bon. Mm-hmm. C'est quoi le projet Aladdin? Le projet Aladdin, en 2012, c'est de faire rentrer la Shoah dans le monde arabe. C'est-à-dire de rendre la Shoah, sensibiliser les populations arabes et maghrébines à la tragédie de la Shoah. To be integrated in the curriculum. Oui, pour que, défense de rire, pour que de telles tragédies ne se renouvellent pas. Mm-hmm. Bon. Maintenant, évidemment, le projet Aladdin, on a demandé au roi Mohamed VI de faire une déclaration. Donc, il a fait une belle déclaration pour le projet Aladdin. Et il a commencé à travailler, mais uniquement au Maroc. Parce qu'aucun autre pays n'aurait permis ce genre de choses. Aucun. Même, je veux dire, même l'Égypte qui travaille, c'était vraiment impossible. Le Maroc est le point faible, vraiment le point faible de la structure arabe, du monde arabe vis-à-vis du sionisme. Donc, quand on veut introduire la Shoah au sein du monde arabe, on s'adresse au Maroc, parce que le Maroc ne peut pas refuser ça. Et donc, petit à petit, on a fait en sorte qu'il y ait une journée de la Shoah, par exemple, à l'université d'Ifrane, qui est une exposition de photos à Marrakech, il y a un an ou deux. Donc, rendre la Shoah quelque chose de, comment dire, qui existe au Maroc, ça veut dire faire toucher du doigt la tragédie de la Shoah. Et maintenant, on voulait aller plus loin avec Marrakech. C'est une ONG allemande qui probablement a des intérêts avec les sionistes, mais enfin bon, qui a construit un début de mémorial du côté de Marrakech. Mais il y a eu une telle levée de boucliers, une telle résistance, que les autorités ont vite effacé, parce que les autorités savent que le peuple marocain, il est anti-israélien. But what was the message, Jacob? Okay. His message. Okay. This message, German national who set this le memorial message, site. Le message, c'est d'installer la Shoah de manière permanente. Et ça, les autorités ont eu peur quand même. C'est-à-dire des réactions et tout. Donc, elles ont préféré détruire les deux baraques et ont dit qu'il n'y avait pas d'autorisation. Allow me to stop you here. I have lots and lots of other questions to ask you, Dr. Jacob Cohen, but I'm afraid time has run short. Moroccan, French, author and activist, many thanks indeed for joining us for your in-depth, eye-opening insights, sir. You're welcome. Thank you very much. Thank you, my dear. إذن لقاء جديد في الأسبوع المقبل مع ضيف جديد وقضية جديدة ودائما من الداخل. للمزيد من التواصل تابعونا على صفحات السوشيال ميديا من كل فريق عمل برنامج من كل الميادين. السلام عليكم ورحمة الله.